Bon matin! Tu reviens de jouer dehors? Tu t'es-tu amusé? Non. Hein? Non. Tu t'es pas amusé? Mais ma petite peut-être Fiou qui. Ok, ça faisait mon village. Ça faisait petite. Fais-tu la neige? La neige est trop dure. Oui. Parce que hier, ils ont essayé de commencer un bonhomme de neige. Mais là, aujourd'hui, la neige est plus bonne pour faire des bonhommes de neige. Hein? Oui. Alors, on va bien aller faire les commissions pour la semaine, ce qui est à dire aller chercher de la viande à sandwich parce que j'avais oublié ça, puis une grosse cruche d'eau. Et en même temps, on a racheté des œufs parce que... Oh, on en a plus. J'ai trop cuisiné. Fait que là, je suis en train de faire une soupe. Ça va être ça, notre dîner. Je compte faire une salade de macaroni. Je fais de la corde à sauter dans la maison, tu sais, la meilleure place pour faire ça. Mais c'est quoi que je disais? Oui, je vais faire une salade de macaroni aussi. Puis je suis en train de faire bouillir des œufs pour faire des œufs à la coque pour faire un petit peu différent dans les sandwichs parce que les enfants sont écœurés puis je comprends ça. Ben, c'est parce que j'ai aussi le goût de manger ça. Fait que là, je vais couper mes légumes. Dans le fond, vraiment pas compliqué, ce que je fais, c'est que je pars un bouillon de poulet. Ensuite, je rajoute une canne de soupe aux tomates, comme une crème de tomates. Après ça, je vais couper céleri, oignons et carottes. Je les râpe. Je mets tout ça là-dedans. En ce moment, j'ai pas de poulet parce que sinon j'en mettrais. Puis, soit qu'on ajoute une pâte comme genre des alphabets ou des trucs comme ça, ou qu'on met rien. Sinon, on met du riz. Fait que là, je vais regarder ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça va être pas mal ça pour le dîner. Je vais peut-être mettre une canne de tomates en dés. Ça me tente de faire différent. Je sais pas si les enfants vont aimer ça, mais en tout cas, ça me tente de faire différent. Fait que je vais essayer ça. Puis c'est pas mal ça pour l'instant. Je vais couper du fromage, puis ça va être ça notre dîner. Finalement, j'avais mis des grosses tomates dedans. Fait que ça, c'est la soupe. Elle était vraiment bonne aujourd'hui. Hein? Ouais. Voici la salade de macaroni que j'ai faite aussi. Puis dans le frigo. Puis ici, j'ai ma salade de d'œufs. Et là, j'ai déjà préparé du fromage pour les enfants. Puis on va continuer de faire la petite popote. Hein? Des pâtes d'ours. Cet après-midi, on va faire une recette, en fait deux recettes de pâtes d'ours, deux batchs, parce que, ben on veut faire ça. On a envie de faire ça. Fred va vous montrer ce qu'il a fait aussi avec la table. Ouais. Moi, j'ai fini de peinturer les morceaux blancs. Fait que... On va rester à les assembler. Ouais, mais ça va être à la fin. Oui, parce qu'il faut que je colle le... C'est ça. Fait que qu'est-ce qui va rester, moi, c'est... ben, il faut qu'on aille acheter les moulures de la fin. Il faut qu'on trouve les petites vis de la bonne grosseur, de la bonne longueur, c'est-à-dire. À moins qu'on soit capable de découper nous-mêmes. Hein? Faudrait qu'on essaye. Un morceau de bois en arrière. Ouais, mais ça, on va perdre l'espace. Ouais, on va perdre l'espace. Je viens de regarder sur internet. Puis il y aurait peut-être moyen d'acheter les pièces du lave-vaisselle qui sont brisées. Fait que je vais parler de ça avec Fred, mais il y a comme deux options. En fait, il y a deux affaires de péter probablement. Le panneau de contrôle, qu'on n'est plus capable de... programmer autre chose qu'un seul programme, qui est le programme long, genre pots and pans de 2 heures. Puis l'autre chose, c'est la pompe de drainage pour
évacuer l'eau. Fait que d'après moi, on pourrait, mettons, commander juste le panneau pour commencer. Puis ensuite, si ça fonctionne pas, acheter la pompe. Puis à ce moment-là, je pense que ça pourrait être réglé. Fait qu'on s'en sortirait comme pour, je pense, environ 150$. Parce que ce lave-vaisselle-là, c'est lui qui était ici quand on est arrivé. Il lave pas bien. Il fait ultra beaucoup de bruit. Puis il va prendre full d'électricité parce que il est pas énergie star. Là. Fait que moi j'avais ça comme laver 4 fois de quoi. Puis là, ben il laisse beaucoup beaucoup de résidus aussi sur nos affaires. Fait que ça c'est un petit peu plate. Mais en attendant, ça dépend. Mais là, je pense que je vais vraiment me commander une pièce. Faut que j'en parle à Fred, mais je pense que je vais commander une pièce comme demain. Pour voir. On serait pas capable de réparer ça nous-mêmes. Fait que je me croise les doigts que ça fonctionne. Ah, et j'oubliais, ce lave-vaisselle m'a déjà cassé une tasse. Ça va super bien! C'est ça. Au moins, on en a un là, pour l'instant, mais en tout cas. Hein? On va réparer l'autre. On va réparer l'autre. Florence et Charlotte sont au dessin, à la craie, n'est-ce pas? Charlotte? Qu'est-ce que tu fais? Tu dessines? Wow! Allô, bébé? Oui, vous vous appliquez. Bébé! Tu dessines toi aussi? Bébé! Attends un petit peu, je vais venir t'en faire un bébé, ce sera pas long. Elle veut que je dessine un bébé, ben je dessine des bébés des fois. Oui, je vais en dessiner un. Attends un petit peu, garde la craie pour moi. Je reviens. OK? À tantôt! Quoi que t'as écrit? Bon, Catherine, elle veut que je vous montre qu'est-ce qu'on a fait, où on est rendu pour les étapes, pour la table. Ça, vous vous rappelez de cette partie-là qu'on est en train de faire. Ça, c'est pas mal terminé. On attend juste de mettre le dessus. Donc, le dessus, je sais pas si vous le voyez, mais il est en dessous ici. Il est en train de, en collage en ce moment. Donc, j'ai mis du poids. J'ai fait ce que j'avais, avec ce que j'avais. Finalement, j'ai pas de clamp assez grande pour venir coller tous les morceaux de bois ensemble. Fait que je l'ai, à coller contre un mur, puis je mets du poids là, autant par-dessus que de côté pour essayer d'aller mettre, de coller les planches de cette façon-là. Puis j'ai du poids par-dessus pour essayer de le rendre égal là, des deux côtés. J'ai fait des rainures avec une biscuiteuse entre chaque planche. Puis j'ai mis des petits biscuits numéro 20 comme ça pour les coller ensemble. Fait que c'est déjà. Ça va être moins apparent que des vis. C'est sûr que c'est moins bon que des tenons, des mortaises, des choses comme ça, mais c'est en masse correct. Fait que j'ai collé ça avec de la colle d'ébéniste. Donc on va attendre que ça sèche. Puis de l'autre côté, Catherine, elle a terminé de peinturer toutes les petites lattes qu'il y a ici. Si vous voulez voir, je sais même pas si elle va le mettre dans le vlog, parce que c'est elle qui monte, fait que, qui les monte, fait que ça se peut qu'elle décide de l'enlever, mais ça c'est Catherine qui s'est fait faire ça par un artiste, un portrait au fusain, quand elle était à New York, si je me trompe pas. Alors ce soir, on a décidé qu'on se faisait des crevettes bang bang, ça c'est notre mélange qu'on va mettre sur les crevettes, on va les, enlever le liquide dessus, comme les éponger. Ensuite, on met de la farine. Ensuite, on l'enrobe dans ce mélange-là qui est œuf, lait et farine. Puis, on le plonge dans l'huile jusqu'à temps que ça soit doré. Après ça, la twist. Je pense qu'on pourra pas tout faire exactement comme la vraie recette. Mais en fait, c'est qu'on devrait avoir une sauce thaï, de la sriracha puis du miel. Nous, on a une genre de sauce. Ben, on a la sauce du Costco, là. Sucré. Ça fait la job. De sauce de chili sucré. Thai Kitchen. Puis, je sais pas là, si on va remettre d'autres choses, mais je pense qu'on n'a plus de miel. Là. Fait que ça va être ça. Mais c'est en masse sucrée, de toute façon. Normalement aussi, on sert ça avec de la laitue et des oignons verts, mais là, on n'en a pas.
Alors, je vais peut-être faire des beaux yeux à mon amoureux qui est en cherche à l'épicerie. Dans le four en ce moment, il y a les pâtes douces. Fred a fait la recette. Donc, la première batch est partie. Si vous ne l'avez pas encore faite, ben, je sais plus quoi faire pour vous convaincre parce que c'est vraiment la meilleure recette de pâtes douces du monde entier. Fait que c'est ça. C'est tout pour l'instant, chérie. Tu vas-tu y aller? Quoi? Ah, je te sens full heureux. Ça me tente des fois, là. T'es full heureux. Ah, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Magnifique pâte douce. Et la belle assiette. La belle assiette de crevettes bang bang. Mm-hmm. C'est-tu bon? Oui. Oh yeah! Pour l'instant, je mange juste la salade. Bon. Alors, 9h50, heure du... Le mari est parti. Dodo. La table est pas finie. Ah. On a eu des imprévus. Puis le lave-vaisselle vaut pas de la schnodzine, mais ça dépend de l'entendant. Qui a deux lave-vaisselle chez eux en attendant que l'autre pète? Ouais, mais c'était pas une ouh, mais en tout cas. On l'a volé. On l'a volé. Non, je l'ai expliqué qu'il était là quand on est arrivé, puis qu'on savait pas s'il marchait, puis blablabla. Fait qu'on a bien fait de pas. De monter. Ouais. Ben, il a fallu qu'on utilise un autre tuyau, par exemple. Mm-hmm. Mais bon. C'est ça. Comme je vous disais, je vais checker pour commander des pièces. À la place d'en acheter un nouveau. Oui, je suis rendu bon pour réparer les électros. Ben, si on peut le réparer, c'est un joke, là. On est capable de faire ça, nous entend. On est mieux de jeter, de réparer que de jeter, n'est-ce pas? C'est ça. Fait qu'on va s'essayer. Puis si ça marche pas, ben, on va pleurer beaucoup. Et peut-être que toutes les larmes de notre corps vont suffire à remplir un lavabo pour pouvoir laver notre vaisselle sale. Je compte pas trop sur toi, en tout cas. T'es fatiguée, hein? Non. J'ai pas de cerne, moi. Jamais. Fatigue chronique de parents. Je dis... À demain! À demain. J'essaie de créer un malaise avec lui. À demain. À demain, là. Bye-bye. Bye. Ciao. Peace out. Qui peut pas raccrocher, là, au téléphone. Ok, bye, là. Raccroche. Non, toi, raccroche. Ok, bye. La personne bye, qui va avoir le dernier mot. Ouais. Bye. Bye. Ok, bye. Ok, bye, là. Okay, merci, bye. Oui, bye. Bye. Salut, bonne soirée, bye. Bye, bye. Yes, j'ai gagné. Bye.